Salut tout le monde, c'est Yann SCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du playthrough sur Cyberpunk 2077. Alors dans l'épisode précédent, et ben déjà, notre sauveur Takamura Watashiwa Monsintesu a l'intention justement parce que de se venger du coup parce qu'il est pas dupe Takamura. Il est pas dupe, il a vu la même chose que nous. Eh ben, il a l'intention de se venger du meurtre, justement, du type de... Enfin, du mec de la corpo. Mais, sachant que nous, eh ben, en même temps, on avait cambriolé une relique qui nous a rendu complètement schizophrène et qu'il faut qu'on s'en débarrasse, alors deux choix nous est proposé. Le premier choix, c'est notre cher Johnny, qui est la deuxième personnalité. Schizo, on va dire, qui nous propose d'aller voir Rogue, ou bien il faut aussi voir la cliente qui nous avait proposé ce job. Mais avant tout cela, il faut se rappeler aussi qu'il y a un taxi à intelligence artificielle qui nous a détruit totalement notre caisse au point que nous ne pouvons plus appeler notre caisse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est simple. À part celui de Takamura. Bon, 600 mètres, ouais, d'accord. À part celui de Takamura. Alors comme, justement, les quêtes sont beaucoup trop loin à pied. Et que du coup, on a notre cher de la main qui nous a complètement démoli. Notre véhicule, je propose qu'on aille voir de la main tout de suite en regardant exactement quelle quête secondaire, car je crois que c'est une quête secondaire. Le contrat, non, le pistolet, alors le cadeau, T-Bug, non, il y a une tradition, non, vaincre tous les adversaires, non, aller se battre, non, payer votre dette, on n'a pas la thune. Trouver, non. Beat le clean, aller se battre, non. Aller se battre, non. Se rendre, non. Attendre que la caisse soit... Ah ! Quand un personnage meurt, le monde ne s'arrête pas de tourner. Pas même un instant. Alors le temps que toute trace de cette personne finit par disparaître à son tour... Enfin bref, c'est pour ça que ta caisse s'est fait embarquer. Quoi ? Tu veux mon avis? L'idéal, si tu veux prouver au monde que tu es en vie, c'est que t'es pas prêt de changer, c'est de récupérer ta caisse. C'est peut-être plus ambitieux comme prochain. Bon, on va du coup récupérer notre caisse. Attends que la caisse soit réparée. Are you fucking kidding me? Je dois vraiment attendre que la caisse soit réparée? Sérieusement? Et tu veux que j'attende comment que ma caisse soit réparée, putain? Déjà, est-ce qu'on avait... On va déjà prévenir Evelyn. On va déjà lui demander si elle est là. Le message n'a pas été envoyé. Le destinataire est peut-être un... Ah ah! Elle a changé son numéro de téléphone. Bon, très bien. Très bien. Je peux la comprendre. D'un autre côté, le vol a complètement foiré. Et yo, Watson a rouvert. Ce serait dommage. Oui, bah, il serait dommage aussi... Que je ne récupère pas ma caisse. Vous savez quoi? Je crois que je vais appeler de la main. On va voir si par hasard il peut faire quelque chose. Il en a rien à foutre. Donc du coup c'est ça la quête, c'est d'attendre que la caisse soit réparée. Problème. Ah, mais attendez, je vois l'objectif. Je vois l'objectif qui se trouve être ici, en fait. Attendre que la caisse soit réparée. Elle est où, la caisse? Mais je déconne pas. Sur la carte, je vois bien l'objectif. Il me propose de me retrouver ici. Bon. Alors, peut-être que je suis bigleux. Bigleux, mais pas con non plus, quoi. Je veux dire... Ma caisse. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Qui suis-je? Que fais-je? J'en ai aucune idée. Attends, peut-être qu'il voulait que j'attende au bar que la caisse soit réparée.
Non? Bon, on va aller au bar. On va voir. Je peux pas m'asseoir? Non, je peux parler à lui. Mais je peux pas... Alors peut-être que... Alors peut-être qu'il fallait attendre, genre, il faut attendre. Vraiment. Genre, attendons peut-être 7 heures. Bon, je déconne peut-être avec l'heure, mais... L'oppression corpo prendra... d'abord surviendra le grand retour de la réalité qui nous... On l'avait pas déjà lu, ce truc? Takamura! Bye, une vision sans action est un rêve, une action sans vision, un cauchemar. Nous ferions de nous en souvenir. Je crois que Takamura est pressé. Mais Makasa aussi, elle est pressée. Bon, écoute, je vois déjà normalement un bar. C'était ce bar-là, j'imagine. N'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? On peut pas... C'est bien normalement pour bouffer ici, non? Bon, apparemment, je peux pas attendre que ma caisse soit réparée. Je ne sais pas. Ah, peut-être attendre le lendemain qu'il soit réparée. En fait. Oui, parce que... On sait jamais. Peut-être que c'était ça depuis le début. Il faut que j'attende encore. Il faut que j'attende le matin. Non? J'ai l'impression que ce jeu se fout de ma gueule. Bon. Du coup, se rendre à l'afterlife, non. Ça, c'est les quêtes principales. Mission secondaire, non. Je veux savoir où est ma maison, en fait, exactement. Si je vais dans X. Lieu épinglé. Véhicule de V, oui. Je veux savoir où est mon véhicule. Mon véhicule. Alors, normalement, c'est un logo en forme de véhicule. Par contre, un truc qui est mal foutu, c'est que la molette... bouge avec justement la carte, ce qui est pas pratique. Du coup, je ne trouve pas mon véhicule. Bon, bah, mon appartement. Alors, je vais prendre mon appartement. Peut-être que qu'en retournant à mon appartement, je pourrai très facilement justement retrouver ma caisse. Putain, mon appartement est à 300 mètres de haut. Non, mon appartement est en hauteur. Bon, bah écoute. Allons retourner à notre appartement. Allons faire des choses. Et peut-être que on retrouvera notre caisse et on va pouvoir aller voir Evelyn. Parce que merde. On veut bien savoir qui est ce fou qui veut prendre possession de notre corps. Enfin, même si techniquement il s'est un petit peu présenté, hein, comme étant le terroriste qui a détruit la tour Arasaka. Alors, oui. Alors, le bouton. Ah, le bouton est là. Je crèche à la maintenance. Bonjour Night City, vous êtes avec Gillian Jordan sur N54 News. Et voici l'actualité locale. Le NCPD appelle à la prudence lors de l'usage des terminaux de données. Un contrôle de routine a révélé que bon nombre sont infectés par un malware. Oh! Des experts de la police ont confirmé. Juste des malwares. Juste des malwares, le mec. Complètement. Le sécurité. Non, ça me dit rien. C'est quoi la sécurité, vous me dites? Jamais entendu parler. Sécurité. C'était quoi ce bruit? Ouf, va savoir. Va savoir. Du coup. Bah, si Wilson, je pars. Je sais même pas quitter déjà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. Retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Bon, allez! Attends, c'est un voisin! Bah oui, je peux faire quelque chose au flic, attends! On va essayer de faire bonne relation! Discuter une fois ou deux. C'était un collègue à nous.
Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. C'est-à-dire ? Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille teigne. Ouais, vu... Une fois qu'il sera calmé ? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je vais le voir. Juste à côté. Merci et soyez patient avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptible. Je verrai ce que je peux faire. Ancien flic. Ah oui, parce que... Yo, mec ! Hey, Barry ! Ça va, vous allez bien ? Je prends ça pour un oui ! Bon, je prends ça pour un oui, hein. Je réussirai plus tard. Voilà, je prends ça pour un oui. Bon, il répond pas et... Ah, oh. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est ce que la mère de Jackie clé de la moto. On a une caisse. Il suffisait juste de demander. On a hérité de la moto de Jackie. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Bah écoute, laisse-moi deviner, c'est une quête aussi, la moto de Jackie. Full of the hill. Trouver tout le nez. Non. Trouver tous les graffitis. Ah, d'accord, oui, c'est le graffiti qu'avait vu, justement, notre cher chenille. Mise au point, les accroches, Hiro, allez, appelez... Ah, bah, écoute, on va appeler Mama Wells pour la moto de Jackie de notre pote décédé. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas appelé. Depuis la mort de Jackie. Depuis la mort de Jackie, ça fait même pas une heure. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait même pas une heure. Important dans le tête. Mais oui, qu'est-ce qui ne va pas ? Juste savoir si ça va. Juste savoir si... Vous savez, si vous tenez le coup. C'est dur, mais... Ah oui, ça j'ai bien compris, hein. J'ai bien compris. Mila, ne t'inquiète pas. Je prends soin de moi. J'imagine que tu fais toujours... la même chose qu'avant. C'est-à-dire ? Promets-moi que tu ne te feras pas tuer, d'accord ? Que le Seigneur te protège, Mila. Mais oui, Mama West, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon. Et du coup, notre moto, on l'a ou on l'a pas ? Merde, quoi. Alors, notre moto doit être forcément quelque part. Ah, ça, c'est introduire. Vous pouvez déjouer les serrures des véhicules garés si vous remplissez les conditions. Blablabla, blablabla, très bien. Allez au Mega Build. Automatic Love. Qu'est-ce que c'est que cette quête ? Qu'est-ce que c'est que cette quête ? Alors, ça on est la file de responsable, tout le bordel, elle est au boulot, et toi, tu as accepté parce que tu avais personne pour te dire que tu faisais une connerie. Je suis là maintenant, mais qu'est-ce que ça change? Cette opération de sauvetage de mon cul, ça mène nulle part, mais c'est pour ce mec qui... Hein? Peut-être qu'il n'est pour te faire changer d'avis, en tout cas... Ah! C'est War Evelyn. Mais pourquoi Mega Build? Et pourquoi c'est à 20 mètres? Ah non, c'est à 20 mètres parce que c'est à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est ça, c'est à l'extérieur. Attends, on va à l'extérieur. Oui, c'est ça, voilà, c'est à 20 mètres parce que c'est à l'extérieur. Mais oui, maintenant j'ai un véhicule. Et pas n'importe des brindres. J'ai... Bah, j'ai mon véhicule. Ouch. J'ai mon véhicule qui est réparé. Je... D'accord, bah fallait juste attendre. Vous savez quoi, tant qu'à faire, on va aller voir Evelyn. Alors, Johnny, pas trop de conneries? Non, pas trop de conneries. Bon, par contre, s'il vous plaît, on est en véhicule, vue extérieure. Non mais... On peut klaxonner? Non, on peut pas klaxonner. Bon. Essayons de... De ne pas conduire comme une merde. Mais qu'est-ce qu'il... Oh non, pas lui. Salut, c'est Kirk. Ça va bien, Chou? Tu oses? T'es sûr que t'as fait le bon numéro? T'as
dernière fois qu'on s'est vu, je crois bien que je t'ai mis mon poing sur la gueule. Ouais, pas que le poing, hein. Écoute, oublions le passé. Le plus important, c'est que j'ai du boulot pour toi. Ce sera de l'argent facile. Rejoins-moi où est le coyoté et je t'expliquerai tout. Non. Je fais la première tournée, ça va ? Non. Non, tu vas faire chier. Et où exactement ? Bah, comme on a dit, où est le coyoté ? Assis à une table. Ok, alors maintenant tu prends ta tête et tu la cognes sur la table. Exactement. Ça te guérira peut-être de ta connerie. Et tu... pas n'importe quel... tu sais que tu m'en veux. T'as ton vote en caisse de bagnole au premier épisode. Excuse-moi. Excuse-moi, mec. Il m'en veut. Il sait qu'il m'en veut. Ouais, alors franchement, avec ce qui s'est produit au premier épisode, c'est pas qu'un peu que je t'en veux. Oula, attends, c'est là que je dois sortir. Et forcément... quand je le... oh, mais bordel, pourquoi tout le monde m'appelle ? Wakako, Okada, la dame... Je suis en mission, s'il vous plaît. Quand aura un moment, on doit régler nos comptes. Pour Sandra Dorset, vous vous êtes bien débrouillés. Ton ami et toi. Et du coup, ça veut dire qu'on est payé, du coup, pour avoir sauvé Sandra, vous savez ? Alors, V, je te rappelle qu'il vaut mieux ne pas se perdre de temps en temps. Je ne suis pas réputé pour être très patiente. Ouais, bah, t'attendras, Waka, parce que j'ai un psychopathe dans la tête, moi. Salut, V, j'ai une maquille. Et... que te faut-il de plus ? Ah, une nouvelle caisse. Non, ma caisse, elle est bien. Bah, la caisse, maintenant qu'elle est réparée, tout se passe à merveille. Alors, ouch. Donc, du coup, c'est cet hôtel qu'on est censé trouver. Evelyn Parker, celle qui nous a filé la DS dans je ne sais plus quel épisode, il y a deux épisodes de cela. Mais, t'as rien de mieux à faire ? Bah, que tu te casses déjà ! Parce que t'es juste devant l'entrée de l'ascenseur, non mais oh ! T'as mieux fait peu à faire ! Bah oui, mais si c'est devant... si tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. Je parie la bastos ! Allez, Cloud ! Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Éclaire-moi. Mise dans ce sensoriel nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Oh, ils sont des liens avec Arasaka ? Les Tiger Claws, bon sens. On va savoir pourquoi. Toutes les corpos ont les mains sales. Mais ce qui sans blague. Dans le monde cyberpunk, je pense que c'est pas étonnant. Les corpos laissent ça au camp. Pour pas que les costards se tâchent. Ça te surprend ? Non. Ah ! Ah ben, il a coupé la conversation. Pourquoi il a coupé la conversation ? Je comprends pas. Bref, wow. S'asseoir et attendre le... bon, on va attendre le soir. Du coup. Dans des chaises... et c'est pas des chaises de fakir, ça ? Fais voir. Ça a l'air d'être un banc de fakir. C'est-à-dire avec des pics. Bon, c'est vrai que c'est pas très élevé comme pic, mais... oh. Ne serait-ce pas une autre boîte de striptease ? Wow ! Bienvenue au Cloud, où nous savons ce que vous recherchez. Non, je crois pas que... c'est pas sûr d'utiliser sa liaison personnelle. Ouais, je vais tout monter. Les liaisons personnelles ne sont pas sûres. Un malware pourrait attaquer mon noyau et après c'est un rein plus ma rate pour payer un charcutoc. Il nous faut les données de votre noyau pour vous associer avec une poupée. Ah. Juste un scan biométrique. Oui, c'est tout. S'il y a un souci, vous pourrez déposer une réclamation. Mais ça n'est jamais arrivé. Mm-hmm. D'accord. Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici ? Un instant, je vous prie. Je parie que la réponse est non. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Ah, chier. C'est important.
C'est pas pour le travail. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel selon vos souhaits. What? Comment c'est possible? Je suis pas client. Pas un client. Voilà qui est encore plus excitant. Il y a une première fois pour tout. Mais je sais que vous voulez vendre vos désirs, mais nous allons quand même, madame, j'ai une mission. On parlera de ça plus tard. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile? Non. On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. Hop, putain. C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leurs cartes? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Ah. Bon bah... Mais ça marche comment, au fait? Comment ça marche, tout ça? Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupée. Il exploite les données de votre profil pour créer des expériences en temps réel. Les absorbeurs mémoriels sur la puce comportementale de la poupée l'empêchent de se souvenir de la séance. Ah bon? Et la déesse alors? Eh bien, je pourrais vous dire que oui, mais il n'y aurait plus ni mystère ni suspense, non? Une fois à l'intérieur, c'est vous qui fixerez les règles. Donc, c'est pas dangereux, mais il y a une part de risque. On peut le formuler ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtient jamais ce à quoi on s'attend. Vous piquez ma curiosité. Ouais. Vous piquez beaucoup ma curiosité. Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Ah bon? Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Samouleï. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Mon petit chou. Votre profil personnel. Vous devriez voir les deux compatibles. C'était quoi ce chargement what the fuck? Recherche de partenaires. Ah, donc c'est eux qui choisissent avec qui. Sky Cross Angel. Deux correspondances. Intéressant. Ouais, mais je ne suis pas de l'autre bord. Je peux dire ce qui est normal. Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? C'était bien Sky la fille, hein? Parce que non, je suis pas de l'autre bord, donc. Sky. Voilà. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Ouch. 500 de là! 500 balles! Ah! Et si je veux pas? Je suis pas venu pour lâcher du fric. Je veux juste des infos. Voilà. Malheureusement, nous n'en vendons pas. Revenez nous voir si vous changez d'avis. Bon. Fuck it. Oh, ok, j'ai changé d'avis. Je vais payer. Ok, ça va. De résister à la tentation. On va mettre un gros Peggy 18, voilà. Et voilà. Wait, le câble a disparu. Le paiement a le câble a disparu. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout? Toutes les armes sont strictement interdites au Cloud. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Ah, ça sent le piège! Ça sent le piège, elle va les utiliser. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Va te faire mettre, tu sais. Ça ne servira à rien, Alain. Merci. Nous vous souhaitons un agréable... Bon. Eh ben, allons-y. Pour la grosse censure. Ça va vouloir dire que t'es vraiment anormal. What? Comment ça, je suis anormal? C'est pas à cause de toi. Si je me trimballais pas un certain parasite dans le crâne. Il y a un truc. C'est ici, n'est-ce pas? Salut, je m'appelle Sky. Oui.
Et toi, tu dois être... Vincent V. Ah d'accord, donc V c'est un diminutif. Très bien, juste V. Appelle-moi V, juste V. J'autorise que ceux que je connais vraiment à utiliser mon vrai nom. Bon, très bien. V. V. Ok. Et bon, ça va être... ouais, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Bah, what? Comment tu sais que je suis mourant? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais. J'ai mis toutes les voix dans ta tête. La plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Quoi, une salle vide? Il y a quelque chose dans ces miroirs tout au fond. C'est une projection. Ton paysage intérieur. J'avais bien besoin de ça. Une thérapie avec un prostibot. Je ne suis pas là pour faire ton analyse. Ah oui, c'est une robot en fait. Excusez-moi, je vais juste me moucher. Assouvir ton désir le plus secret, le plus refoulé. Bon, je cherche quelqu'un. Evelyn Parker, elle travaillait ici. Tu la connais? Tu sais où elle est? T'as besoin de réponses, c'est évident. Bah bien sûr que j'ai besoin de réponses, je suis pas venu ici pour rien. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker, c'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas? Je sens ta peur. Oula, oula, oula. On se calme. On m'a dit que c'était l'endroit pour satisfaire mes désirs. C'est pas ça que je m'attendais. Quand les désirs sont insatisfaits, ils deviennent des nécessités. What? Nous sommes là pour y répondre et aller au-delà. Nous sommes là pour comprendre. Alors de quoi j'ai tellement besoin? D'accepter le fait que tu es déjà mort une fois. Et d'aller de l'avant. De recommencer à zéro, quoi. Accepter, c'est ça. On va commencer à zéro. Plier par terre et attendre que ça se passe. Baisser les bras, c'est ça que tu me conseilles? Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City? Quoi? Je veux toujours être le meilleur. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'il sache que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Oh, madame, on va se calmer un peu avec la philosophie. Normalement, vous êtes payé pour... Voilà, quoi. Quelqu'un de différent. Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je serai. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort. Je préfère la deuxième option. La voix énervante comme Johnny. Sauf que lui, il va poker à chaque fois. T'as vu, je suis dans ton corps. Il va poker à chaque fois en disant je suis dans ton corps. J'ai du mal à imaginer ce que ça fait de devenir quelqu'un d'autre. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. D'oublier qui je suis. Ah oui, je suis toujours avec ma tenue, mon short avec l'armure à donf. Malgré tout, je ressens un lien entre qui j'étais et la personne que je deviens. Ce qui te fait vraiment peur, c'est de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. Qui ça? Johnny? Et maintenant? Et maintenant? Maintenant ça? Tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Tu comptes me dire? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie. Même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Je suis pas sûr de réussir. Ouais. Oh, mais tu arrives à suivre, et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Je crois que tu es renommé ce robot 42. Ne regarde jamais en arrière. Parce qu'avec toutes ces phrases philosophiques... Tu
Si tu dois tout réduire ensemble, fais-le. Ouais, j'aime bien la deuxième option. Je réduis tout ensemble. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre fin. Bon, bah, ça me l'aille. Bon, que tu vois. C'est Luke City. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Cette saleté. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? What the fuck? C'est pas ça que je me... Bah merci pour la discussion. Et ça, c'était... différent. Rafraîchissant. C'est l'expérience qu'on offre aux Clouds. Ah bon? Je comprends pourquoi les gens reviennent vous voir. Mais... je suis là pour autre chose. Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Bon bah, finalement, il n'y aura pas de censure. Il n'y aura pas de Peggy du site pour le monde. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le viol, veulent le réorganiser, mais non. Quoi? T'as une belle gosse, ça m'embêterait de ta... Pour 900 dollars, je ne peux pas... Si t'as fini... Ah bah, merde. S'il te plaît, je veux de mal à personne. Mais elle a peut-être des ennuis. Je veux juste lui parler et m'assurer... Bah oui, forcément, j'ai payé 500 balles pour rentrer dans ce truc. Mais le boulot de poupée, c'est pas le plus tranquille du monde. Un jour t'es là, le lendemain t'es à la rue, si c'est pas pire. Il s'est rien passé d'inhabituel ici, dernièrement? Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que tu sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui, ce Tom? C'est qui, Tom? Une poupée, comme nous tous. Ah. Tu croyais quoi? Que c'était une star de DSX? Où je peux le trouver? Zone VIP. Cabine 2. Je crois. Merci. Bon. Tu vois? T'as quand même pu te rendre utile. Ouais, bon... Enfin bon, bref, utile avec tous les trucs philosophiques que j'en ai absolument rien à foutre. Mais bon! Tu peux pas rentrer? Comment ça? Je viens ici toutes les semaines, putain! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section. Eh ben putain, ça coupe vite les discussions. La fête veut wow! Hey! Je veux juste... Mais pourquoi il me tire dessus? On se calme, putain! Ok, c'est pas tranquille. C'est pas tranquille, très bien. Ils veulent la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Où sont mes armes? Où sont mes armes? Je me semblais que je m'en étais équipé. What the fuck? Où sont mes armes? Ah mais oui! Les armes sont interdites dans ce club. Bon bah... Cassos. Cassos. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Bon, ok. Ok, tu sais quoi? Ah, oui. Parce que les ennemis peuvent aussi foutre des patates. Bon. Alors, une arme, vite. C'est parti. Ah, mais je voulais m'en équiper tout de suite. Bon, c'est pas grave, je vais... C'est la cata, c'est la panique. C'est quoi comme arme? Cinétique, les balles peuvent ricocher sur les surfaces, dégâts électriques. Ah, dégâts électriques, une arme électrique, du coup. Bon, j'imagine que de toute façon la mission a échoué, hein. Je me saute à l'adrénaline. Ouais, je vois ça, hein. Watch. Oh mon dieu, il a un katana. Débarrassons-nous du katana.
Je veux son katana. Je le veux son katana. Bon, on va se soigner aussi. Parce que sinon, voilà. Katana. Je vais peut-être recharger. Allez, quoi? J'adore tuer les gens. Ouais, ben moi j'adore finir mes missions. Voilà. J'ai un autre pulsar qui fait moi. Hop. Ah, accès autorisé maintenant. Ouais, moi je vise comme une merde. Bon, attends, j'ai quand même un katana, non? Que je ne suis pas équipé. Donc du coup, je vais m'équiper du katana. Et je vais tenter un kill au katana. Où est-ce qu'il est, le katana? Katana. Wicha! Il est passé où? Il est là. Katana. Katana, j'ai dit katana. Voilà. Un peu de soin. Beaucoup de soin. Et me semble que tout est ok. Je peux enfin... Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a un truc de quête? Ah, parce qu'ils ont peut-être des cartes. Oh merde. Katana. Katana. Voilà. Et je prends ça. Même si... Oh putain! On peut pas rentrer tranquille ici! Bon allez. Ah, ils sont d'Arasaka! Parce qu'ils parlent japonais, je viens de comprendre! Ou bien ils sont du camp japonais. Ouch! Bon. Allez quoi. Oh putain. Grenade. Bon, je crois que de toute façon je suis pas survivre. Hein. Même après avoir pris une bonne dose. Allez, un deuxième. Ah, et peut-être si je le pirate. Protocole, distraire les ennemis. Protocole de piratage, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. BD5. Alors BD et 55. Alors où est le 55? 55 c'est ici. J'ai un BD ici. Bon, j'ai pas le choix. Alors justement, je vais devoir utiliser une mémoire tampon. Donc. Alors BD. Ah oui, merde. BD. Je le refais. Je peux pas le refaire. Bon, celui-là alors. Je ne peux pas non plus. Bon, j'élimine du coup ma cible alors. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai. La caméra. Hop, on va la désactiver déjà. Bon, on va peut-être jeter une grenade. J'ai pas de grenade. Je viens de m'en retourner. T'as dit quoi? Moi, pas parler japonais, désolé. J'ai pas compris ce que toi dis dire. Bref, bon, ça a été un petit massacre. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais... Fuck it. Qui prétend donc être Lizzie? Oh. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ne me tuez pas. Oh, tu calmes. Pas d'ennui. Je veux juste qu'on cause un petit peu. Voilà, blabla. Vous étiez amis, vous deux? Vous entendez bien, Evelyne et toi. C'est vrai? Ouais. Par vous deux, je veux dire, un certain Evelyne. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On est inséparables. Je vois qu'elle était en tenue, d'ailleurs. Bah, ouais, je sais savoir. Où elle est? Il faut lui parler dès que possible. C'est important. Vous avez un problème avec elle? Moi, non. Non. Tu sais où elle est ou pas? Réponds! Elle est pas ici. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas.
Eh ben pareil. Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale dans une clinique à Osaka ? Non, Oslo. Ouais, c'est ça. Oslo ? C'est Osaka ou c'est Oslo ? Osaka ou Oslo ? Oslo. Oui, oui, Oslo, c'est ça. T'es sûr ? Est-ce que c'est Evelyn elle-même qui t'a dit qu'elle partait ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et parce que Oslo, c'est pas Night City, hein. Où je peux le trouver, ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. De ce bâtiment-là ? Eh hey, merde, j'ai foutu c'est la merde. Woodman, c'est qui ? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce monsieur Forrest, c'est qui ? C'est un peu notre protecteur. Et de nouveaux talents. T'es pas en train de te foutre de ma gueule, mec ? Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. Tu connais Woodman, mec ? Le crâne de ses poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Mm-hmm. Tu connais ce Woodman, Johnny ? Bon. Allons du coup au bureau, même si du coup on a foutu un peu le bordel. Allez, on va prendre un peu de munitions en tout genre. Mais moi je savais pas que j'avais pas le droit d'entrer. Bon. Ta-da ! Ah oui, et je peux aussi faire des attaques puissance, hein, avec les armes, parce que, voilà, comme au point, je peux aussi foutre des grosses patates, avec le katana, et ça donne ça, c'est-à-dire juste un tranchant, mais tranchant plus fort, enfin, selon les tirs. Non, tu vas rester en vie, et moi, je vais voir quelqu'un, ce Woodman, là, il se trouve ici. Qu'est-ce que tu veux ? Mais calmos, je cherche quelqu'un. Je cherche une fille. Du calme ? Je trouve ça assez marrant de la part de quelqu'un qui vient de massacrer. Oh, c'est okay, eux qui ont tiré en premier, hein. Coopère et personne d'autre sera blessé. Je négocie pas avec des terroristes. Ok. Très bien, très bien. Monsieur veut pas coopérer. Alors, on va le tuer. Désolé, Woodman. T'aurais été intelligent. T'aurais coopéré. Coopéré, pardon, pas repéré. T'aurais... Alors, oui, je peux aussi me défendre. Hein. C'est-à-dire que si, au cas que lui, il me fout des patates, je peux essayer d'encaisser le moins de patates possible. En fait, un peu comme dans un jeu de baston, quoi. Mais sauf que c'est dans un vue FPS. Bon. Alors déjà, il me fout un max, là. Voilà. Uniquement au katana, je vais te battre. Woodman, ça te va ? Bon, ça lui va pas. Très bien. Alors je reprends les armes. Il est presque fini d'ailleurs. Allez, quoi, Woodman. Fais pas chier. Cache pas ma life. Ne cache pas ma barre de life, hein. J'ai besoin d'informations. Putain, il est. Ah, il est costaud, hein, ce Woodman. Franchement, avec toutes les balles que je lui fous, il est costaud. Bon, pas le choix de le finir au katana parce que j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, ça te va, Woodman? Ah putain! Alors toi, t'es champion pour tout faire foirer. Tu quoi? Pas, là. Et maintenant? Bah, je sais pas, scanne ses yeux de poisson, t'y trouveras peut-être la vérité. Une déesse, ou bien alors, sûr! Je vais péter. Ça pourrait marcher. Une déesse, tout simplement. Crever? Mais non, mais arrête de dire ça! Tu vas pas crever. Allez, activé. Donc, utilisé. Alors, on fait affaire. On s'occupe de la marchandise réunisée à 5 ou 6 filles et 2 gars, mais assurez-vous qu'ils sont vraiment jeunes, pas con.
comme l'autre. Bon, c'est pas notre chère Evelyne, parce que notre Evelyne est vieille comme tout. Il paraît que vous êtes ses spécialistes, les poupées. Sa puce était foutue. Mm-hmm. Il a peut-être envoyé pour la faire réparer. Tu sais quoi, réponds-moi au sujet de ce boulot au cloud. J'ai reçu une autre offre. Tu m'en dois une. Salut Ginger. Encore un incident comme celui. Suite d'Evelyne Parker, vous pouvez dire adieu à votre boulot. Ce sont des mots. Ah! D'accord, je viens de comprendre. Le problème Parker est résolu, patron. Je l'ai envoyé chez Saint-Chartu de J-Street. Très bien! Alors, le net résonate. Je vais pas y aller. Non, je déconne. Je déconne, mec. Sans crancune. En même temps, tu aurais été coopératif. Hein? Et j'ai eu des points en assaut. Je peux peut-être avoir des points en furtivité aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Protocole de piratage, court-circuit pour 5. Je vais le pirater. Alors qu'est-ce qu'on a? BD1C 5-5. Donc BD1C 5-5. Ah oui, mais le 5-5, il faut qu'il soit... D'accord, donc BD1C 5... D'accord, très bien. Donc... BD, un... Non! Mais non, je... Allez, Mr. Frog, montre-toi! Ah! J'ai mis ce clic. J'ai cliqué sur le mauvais endroit. Il est passé où? Il est là. Il est là, mais il veut pas sortir. Il est où? Là. Protocole de piratage. Alors, à quoi ça sert le protocole? Réduit la consommation de mémoire vive pour chaque truc. Donc, du coup, j'ai du 1C et du 55. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc. Bah non. Oh putain. Voilà, 55. Voilà. 1C, 55. Ouch. Donc, du coup. Normalement, ça réduit. Effectivement, le coût. Pour le pirater. Redémarrage optique. Réinitialise les optiques de la cible, ce qui le rend aveugle temporairement. Let's go. Ah putain, je l'avais pas vu lui. Ah d'accord, ouais, non, ils sont trop nombreux. On va oublier. On va oublier ceci et on va se servir des armes du coup. J'ai des munitions. Oui, j'ai des munitions. Ah bah c'est parfait. Je vais quand même fouiller la zone au cas où qu'il y aurait peut-être d'autres munitions. Des informations. Protocole de piratage au niveau 2. Même si je m'en sers pas beaucoup du piratage, hein. Bien. Ah, je peux pas voir la caméra. Allez! Ah, purée! Ça recharge. Voilà, un d'éliminé qui m'a fait beaucoup de... Mais putain! Ah d'accord. Ah d'accord. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Regarde qui c'est qui va vraiment tuer là. Regarde. Ah mais l'autre il croit qu'il peut être aussi fort que... Ça attaque. Ça attaque. Je vais encore prendre un soin. J'ai pas mal de soins. Hey, maintenant j'ai une grenade. J'avais même pas vu. Eh ben, go. Bon, bah, je la vois pas finalement le. Comment c'est-à-dire le rayon d'action que j'avais eu du. Ah putain, on me pirate. On me pirate. Quelqu'un me pirate. Est-ce que je peux savoir qui me pirate? Non, je peux pas savoir qui me pirate. Mais je peux pirater des choses ici pour réduire la consommation. Ça ne m'intéresse pas. Oui, quitter l'interface. Réduire la consommation, non merci. Putain, je suis toujours en mode combat. Ah, ça va être embêtant d'être en mode combat parce que le problème en mode combat, c'est que du coup, la mémoire vive ne se recharge pas quand on est en combat. Ce qui fait que du coup, si je veux continuer à pirater, ben, je suis foutu, hein. Oula, oula, oula. Bon, déjà, il s'est fait la grenade de son pote, c'est déjà pas mal.
Et je sais qu'ils sont là, et ils sont deux en plus. Bon, on va rechercher. Ouais. Allez, 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 allez. Décidément, ces combats sont vachement récurrents pour une zone qui normalement comment dire, n'est pas fait pour combattre. Par contre, je peux pas. Ah putain, je peux pas. Pourquoi je peux pas me soigner? Allô, allô, allô. Je peux pas me soigner. Pourquoi? Quelqu'un refuse que je me soigne. Pourquoi? Alors, protocole de piratage, contrôle de caméra, désactiver, distraire les ennemis. Je l'ai désactivé déjà. Histoire que je meure pas. Et histoire que je puisse... Mais pourquoi je ne peux plus me soigner? Merde quoi! Laissez-moi me soigner! Qu'est-ce qui se passe? Niveau supérieur 3, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi je ne peux plus me soigner? Restaure instantanément 40% de santé. Et ben alors? Tenir? Oui? Possible pour l'instant, oui. Bah écoute. Oui, je les sélectionne. Sélectionner. Bah merde alors. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas. Je ne peux pas me soigner. Pourtant, j'ai appuyé plusieurs fois. Vous voyez même l'animation qui s'active, mais. Mais non, je ne peux pas me soigner. Peut-être que... Bon, peut-être que si je me casse en mode cassos... Je vais faire ça, je vais me barrer en mode cassos. Je suis dans l'obligation de vous rendre vos armes, même si ça ne me plaît pas trop. Avec ce que je viens de faire. Bah... Je sais rien, moi, je travaille juste ici. Ouais, ouais. Mais en tout cas, tu as l'air de bien le prendre avec le bazar que je t'ai foutu dans ton club. Mais enfin, bref, en tout cas, ça nous a, aller dans ce club nous a mené à absolument rien du tout. Mais vraiment, à part peut-être ce bug. Beau boulot. T'as déjà pensé à faire carrière dans la diplomatie? Ta gueule, Johnny, ta gueule. Attends. Excuse-moi, je suis pas venu pour faire des potes. Oh, je respecte ça. Bien sûr, c'est ça. Tu crevais d'envie de balancer une bombe sur ce club. Pas besoin d'être aussi radical. J'ai d'autres méthodes. Genre? Quelle méthode? Ce qui est sûr, c'est que les Ticlos oublieront pas ça. Ah, c'était ça le gang! Tu crois qu'elle est chez Fingers? Oui, effectivement, voilà, le gang si travaille. Pour l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Tu sais ce qu'il dit, le cadavre ambulant? Il t'emmerde! Bref. Bon, et sinon, c'est toi qui m'empêches de me soigner, au fait? Ah, mais parce que là, je martèle le bouton, si tu veux! Hein? Bon. On se casse. Rez-de-chaussée. Putain, mais je vais pas taper quand même ce truc complètement pourri juste à cause du fait qu'il veut pas prendre ma santé, là. Quand il ne suffit pas d'être en bonne santé, oui, bah... Excuse-moi, mais sinon j'ai quoi? Restore instantanément 15% de santé. Bah écoute, on va prendre celui-là. On va voir si celui-là, ça marche, par contre. Que dalle! Je peux même plus me soigner, putain! Mais pourquoi? Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est quoi ça? T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après Elman. Ah, ça fait partie du scénar! Ça fait partie du scénar! D'accord, c'est pour ça que je pouvais pas me soigner! Putain, Johnny, tu me fais chier là.
Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Wow! Putain, ça avance pas assez vite. Bah oui, bah... Merde, hein! Comment se débarrasser de la puce? T'as rien à foutre que je crève! Oh non, fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Pour que tu deviennes la pute des Arasaka? C'est simple, si ils vont se buter. Bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. Ah, t'es plus timbré que moi. J'en ai connu des tarés. Mais toi, tu bats des records. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Et je me suis dit que, vu qu'on me donnait une deuxième chance, j'allais en profiter. Ouais, une deuxième chance 50 ans plus tard. Voir les aurores boréales, courir avec les médiataux. Ou faire un safari avec les gazelles. Pour finir ce que j'ai commencé, Johnny est de retour. Je veux détruire Arasaka et je vais avoir besoin de toi. Ah! Ah! T'as de l'humour, mon pote! Ça me ferait marrer si j'avais pas aussi mal. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie et qui peut nous aider. Ah ouais? Toi, on t'enlève la puce et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais ouais. Le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. C'est qui Mikoshi? Non, plutôt c'est quoi? Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. Ah, et c'est ça qui t'a mis dans une puce. À suivre. J'ai vu tes souvenirs. Ils t'en ont fait baver. Et ils t'en fait okay, bien baver en plus. On discute de ça et d'autres sujets aussi, mais c'est pas le plus urgent. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Quand le tueur d'âme te fume la cervelle, tu meurs. Mais avant ça, le contenu de ton esprit est copié sur un engramme. Un quoi? Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Et viens-en au fait, c'est mec. T'as autre chose à dire? Alors crache le morceau. Des expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. D'accord. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi. C'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et tu comptes détruire comment Arasaka cette fois? Détruire Arasaka. T'as une autre bombe planquée quelque part? Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Je suis censé savoir qui c'est? Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. Bon. Be fine! Fine, espèce de dégénéré! On doit entrer dans Mikoshi. Ouais. Tu permets que je me soigne, d'abord? C'est pas que je suis en mauvaise posture, mais... Mais je suis en mauvaise posture. Alors, on va te quand même informer à Judy de ce qui s'est passé. Hein. V? Y'a pas un problème de... Evelyne est plus au clair. Sa puce comportementale a été endommagée. Ouais, il y a un problème de... comment dire? Comment dire? Tu sais où je peux le trouver, ce Fingers? Ouais, il tient une petite désosserie du côté de Jig Jig Street. Putain, mais ce type est une ordure. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Chez lui. Je vais la chercher. Je lui avais dit de pas retourner aux Clouds, putain. Ok, à plus, V. Ouais, mais là, pour l'instant, si tu veux, à mon avis, je suis encore très mal au point. Mais vraiment très mal au point. Je crois que je vais suivre l'idée de Johnny, de voir justement son pote, son Mikoshi. D'ailleurs, est-ce que ça fait partie de le... Si j'ai appris une chose dans les... Non, c'est qu'il faut en sortir. Ah non, c'est pas celui-là. Down in the street, tu veux retrouver Hellman. Bon, pour l'instant, vu le bordel qu'on a, qui est lié à ce que nous fait faire en fait
du coup Johnny Silverhand. Eh ben écoutez, je vais arrêter cet épisode ici. Et ben si cet épisode vous a plu, bien qu'il s'est pas déroulé exactement comme prévu, que voulez-vous, la prochaine sera forcément la bonne. En tout cas, je m'arrête là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager à vos potos. Si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, eh ben n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.